Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le jeudi 26 janvier 2023, 15h41 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même ça va vraiment mal, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui m'envoient des messages aussi, c'est vraiment très apprécié, j'ai le fou rire parce que je vous disais hier que ça va vraiment mal, on est dans l'escalade, il n'y a personne qui parle de paix, tout ce qu'on fait c'est de pomper plus d'argent, plus d'armement, des chars d'assaut, là maintenant... Monsieur va avoir des, des avions de combat F-16. Bientôt, il va demander des Big Mac, des Poutines, des filets mignons. Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui, à un certain moment, doit dire non. Il doit avoir quelqu'un qui a une tête à ses épaules quelque part. Chers amis, merci d'être YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Ça sent le conflit mur à mur. On le sait, on est dans une période d'instabilité, il y a toutes sortes de changements qui s'effectuent en ce moment. Le système est en train de nous écraser, la classe moyenne est en train de disparaître, la liberté d'expression n'existe presque plus, sauf si tu parles du même côté de la bouche que les gauchistoïdes, ça va très, très mal. Et ça sent la, la guerre à plein nez, quand ça va très, très mal, qu'une économie s'effondre et que le système commence à être exposé comme il l'est, que l'élite commence à être exposée on essaie probablement le dernier recours pour disperser les gens, les envoyer dans une plus grande misère, puis leur faire fermer le clapet, parce que c'est sûr que dans, dans l'idée d'une guerre mondiale qui pourrait se déclencher n'importe quand, tout devient relatif. Donc, ça remettrait vraiment hein, euh, la serrure le cadenas sur la serrure de nos vies et de nos libertés, cette guerre-là qu'on veut absolument et c'est com complètement renversant de voir que c'est c'est tout ce beau monde là qui nous fait des belles leçons de moralité sur comment se conduire, comment se comporter, comment parler, comment penser, surtout comment penser comme eux qui nous envoie dans cet univers guerrier, dans cette rhétorique guerrière. C'est assez hallucinant. Pendant que Joe Biden envoie le FBI contre ses opposants politiques, contre la pauvre population qui ose émettre une opinion, on envoie le, le ministère du Revenu, on envoie le, le, le FBI, la police, ben là, il envoie des chars d'assaut. M1 Abraham à son ami. Vraiment, il cherche à éviter une guerre plus large, mais il n'est pas sûr que c'est ce qui va arriver. Yahoo! News nous dit que la Maison-Blanche a cédé mercredi après des mois d'appel pour les véhicules blindés, ou pour le véhicule blindé le plus meurtrier du Pentagone, le fameux char Abraham. Le président Biden a annoncé le transfert de 31 Abraham. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan, parce que franchement, le front qu'on doit protéger, supposément, c'est immense là-bas. Ça n'aura pas un grand impact, c'est plutôt symbolique, mais ça fait vraiment suer. Euh, L'autre, euh, l'autre partie de ce conflit-là, hein? et, euh, je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça. Pour contrecarrer une offensive qui serait prévue au printemps et galvaniser les alliés européens, les euh, combats de cet hiver ont été décrits par un haut responsable militaire américain comme sauvage. Ils nous disent qu'il est en train de gagner le conflit, mais c'est en tout l'air qu'ils sont en train vraiment de le perdre. Et là, on, a, on fait tout en notre pouvoir pour envoyer euh, plus d'armement, vraiment, euh, c'est pas, euh, c'est pas, pas drôle cela. Je ne sais pas jusqu'où ça, euh, ça va, se terminer. Euh, mais il euh, y en a un qui n'est pas content. La Russie a déclaré, Yahoo News toujours qui nous rapporte, jeudi aujourd'hui qu'elle considérait la livraison promise de chars occidentaux comme une preuve de l'implication directe et croissante des États-Unis et de l'Europe dans cette histoire-là, dans ce conflit-là, le Kremlin réagissait pour la première fois aux annonces faites mercredi par les États-Unis et l'Allemagne, selon lesquelles ils armeraient le pays en question de dizaines de chars de combat dans sa lutte contre la Russie. Wow! Donc, nous sommes complètement en désaccord et catégoriquement en désaccord avec cela, et à Moscou, tout ce que font l'Alliance et les capitales, que j'ai mentionné, est considéré comme une implication directe dans le conflit nous voyons que cela se développe. Ziz. 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 Donc, je vous laisserai cet article-là, vous irez lire ça, toutes les intentions, euh, puis tous ces, ces armements qu'on envoie à gauche puis à droite. Puis là, c'est comme si c'était passé. Maintenant, on veut faire de la pression pour obtenir des avions de combat F-16. Cela, un conseiller du gouvernement, <laughs> C'est pas possible. Alors que les principaux chars de combat des États-Unis et de l'Allemagne se dirigent désormais vers ce pays d'Europe, se concentre maintenant, la capitale se concentre maintenant désormais sur la sécurisation des avions de chasse modernes des Alliés occidentaux. Le conseiller, du secrétaire à la défense a déclaré à De Hill qu'il était optimiste quant à la réception d'avions de combat occidentaux tels que les F-16 américains. Chaque type d'arme que nous demandons, nous en avions besoin hier, a-t-il déclaré. OK. Donc, wow, je ne sais pas, mais... Avec tout ce qu'on a envoyé, euh, on se prépare vraiment pour que l'autre partie soit tellement frustrée que tout ça dégénère. Il s'agirait d'une petite erreur, d'un faux pas pour que tout ça nous amène directement dans un. Qu'on pourrait qualifier, mais déjà le troisième conflit, la troisième guerre mondiale est débutée par procuration comme ça. Et tout ce que ces gens le font, c'est de nous distraire du système qu'on est en train de nous établir dans nos pays respectifs, ce régime totalitaire. Il n'y a personne qui va l'arrêter. Personne. C'est infiltré, c'est encastré. C'est comme on est prisonnier de toutes les tentacules de cette pieuvre géante qui a sa tête. En Chine, dans le Forum économique mondial, dans l'ONU. D'ailleurs, l'ONU est complètement silencieuse. Et où l'ONU là-dedans? L'ONU, ce n'est pas supposé être là pour vraiment amener les partis à s'asseoir et à parler de paix. Ils sont où les émissaires de paix là-dedans? Moi, je n'en vois pas. Je ne sais pas si vous en voyez, là, mais ça sent vraiment le cramer. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous irez lire ça. Ce n'est pas des bonnes nouvelles.